José Lepiez, bonjour. Et bonjour. Vous êtes l'inventeur de ces incroyables instruments. Qu'est-ce que c'est? Ça fait un bruit assez incroyable. Mais ce sont je les appelle les arbres à son. Ce sont des instruments à caresses. Donc, il existe les instruments à cordes, à vent et à percussion. Et j'ai été découvert par un autre instrument qui est à caresses et qui fait chanter le bois par le passage de la main. Voilà. Donc là, vous êtes inspiré un peu de l'abbaye de Bon Repos, ici en Centre-Bretagne. Je suis venu à l'invitation de l'équipe de Bon Repos pour créer une œuvre ou plusieurs. Et finalement, ça a donné lieu à 5 œuvres différentes. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, ce genre d'instrument? Je les ai inventés, surtout au sens du découvreur de trésors. J'ai découvert ça dans mon atelier, j'ai été bluffé, complètement abasourdi. Et je suis allé voir les plus grands spécialistes au Musée de l'Homme et au Quai Branly, en leur disant « mais où est-ce qu'on peut trouver ça ?» Et au début, ils ont dit « non, mais on ne sait même pas où ça existe, c'est pas possible qu'au XXe siècle, on invente un nouveau instrument. » Et finalement, à force de recherche, on a découvert une seule origine dans l'histoire de l'humanité sur une petite île du Pacifique, qui s'appelle la Nouvelle-Irlande. C'est dans l'ère papou, c'est un peu bizarre, Nouvelle-Irlande, mais voilà. Vous me racontiez, vous avez découvert aussi des propriétés assez étonnantes à ces instruments. En fait, c'est par l'invitation de soignants, de médecins, qui m'ont dit « ah mais là quand même, ces sons, ils nous apaisent, il faudrait tester avec des patients, il faudrait que tu viennes voir ». Donc j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux en salle d'attente, tout simplement. Et puis effectivement, les soignants, voyant des résultats importants, m'ont amené après en chambre, rencontrer des patients dans les chambres. Et les résultats étaient tellement puissants en termes d'apaisement, de diminution de la douleur, qui m'ont invité jusqu'à aller en bloc opératoire et en salle de réveil. Et où là, ils ont fait des mesures physiologiques très, très précises, et où on observe une diminution du choc post-opératoire, du choc traumatique, très important. Et il me semble que... Alors moi, je ne me dis pas thérapeute du tout. Hein, on laisse faire les arbres, les champs des arbres. Mais il semble qu'il y ait une proximité, quelque chose qui nous ramène à une existence très ancienne, très profonde, qui fait du bien. Qu'il faut venir expérimenter du coup, voilà. Et découvrir. Voilà. Comme aujourd'hui on fait des bains de forêt, ben on peut faire des bains de sons d'arbres. Et qu'il faut venir à Bon Repos pour découvrir.